pas mal. Et regarde celui-là, tu vas l'adorer, ce petit gars. Ouais, il serait pas en sécurité avec moi, je le dévorerais tout cru. Il a l'air si adorable, comment tu voudrais lui dire non? Pitié, dites-moi que vous cherchez un homme pour Ziva. Pas pour moi. Oh, McGuignol, t'as pas quelque chose à me dire? On regarde des sites de refuges animaliers. McGuy envisage d'adopter un petit chien. C'est beaucoup de travail. Tu dois les nourrir, les promener, les dresser. Oui, j'ai pas 12 ans, tu sais. Je travaille dur, je mérite que quelqu'un saute de joie, l'air tout excité quand je rentre chez moi. Qu'il se couche sur le canapé pour regarder la télé, me lèche le visage avec passion. Ce serait plus facile avec une copine. Ah. Et ce sera encore plus facile avec un petit chien. Même pour toi. Je ne suis pas prêt à écouter tes conseils en la matière, le bleu. Tony, je crois qu'il est temps que tu enfourches ce cheval. Tu vas adopter un poney? C'est un adage. Je connais pas cette race particulière. C'est vrai qu'ils sont très rares. C'est une sorte de croisement entre Pégase et une licorne. Alors, quel est le favori? Le pitbull. Ah oui, ce serait parfait pour toi, c'est vrai. Pas du tout pour McGuy. Lui, c'est plus un espagnol qui lui irait. Un cocker, pourquoi pas? Pourquoi pas un berger australien? Oh. Ce sont des chiens travailleurs. Décroche, dinosaure. Tout de suite, patron. Les PFA, calme-les si tu peux. Oui, s'il vous plaît, je voudrais parler. Un instant. Qu'est-ce qu'on a fait pour provoquer la colère de l'Institut de pathologie des forces armées? De qui a gardé un de leurs cadavres? De qui a volé un cadavre? Je pense qu'il avait ses raisons. J'espère. Assis. Pas bouger. Bon toutou.